Moment de gêne pour Jennifer. Invitée de l'émission Les Enfants de la télé le dimanche 29 janvier 2023, la chanteuse a dû faire face à une casserole qu'elle aurait préféré oublier. En effet, en direct de France 2, l'animateur Laurent Ruquier lui a ressorti des images de l'époque où elle était jurée au concours Miss France et où elle ne s'en était pas très bien sortie. Immédiatement, la star a donc mis sa tête entre ses mains, laissant dévoiler sa honte. Bug total, a-t-elle lancé avant même la diffusion des images. Jennifer honteuse, cette séquence qu'elle préfère oublier. Mais alors, que s'était-il passé? Eh bien, lors de l'élection de Miss France 2006, Jennifer n'avait pas vraiment réussi à trouver ses mots lorsqu'était venu son tour de poser une question aux candidates. On vous demande de poser une question à Miss France. D'habitude, si est-il les Miss France qui ne savent pas répondre. Mais ce soir-là, si est-il Jennifer qui ne savait pas poser la question, s'est d'ailleurs amusé Laurent Ruquier avant de lancer le magnéto. Pour se justifier, Jennifer, qui est venue parler de nouvel album N9, a assuré que quelqu'un lui avait volé son idée et qu'elle avait donc été prise au dépourvu. Sur les images, on découvre ainsi une Jennifer paniquée, aux côtés de Jean Reno, qui lui murmure « Je ne sais pas quoi poser comme question. » « J'ai honte », a répondu la chanteuse depuis le plateau de France 2. Si tu deviens Miss France, qu'est-ce que tu ferais de plus pour les questions humanitaires ? Avait malgré tout réussi à demander Jennifer tout en bafouillant. Il faut dire aussi que la jeune star n'avait pas du tout été aidée par Jean-Pierre Foucault. « Il y a personne qui m'a aidé », a-t-elle déploré. On salue Jean-Pierre Foucault, qui ne vous a pas aidé non plus, a conclu Laurent Ruquier, mort de rire. Pour rappel, c'est Alexandra Rosenfeld qui avait été élue Miss France 2006 à Cannes.